Car le Crédit Agricole est une des dernières banques qui finance l'oléoduc qui amène le gaz de schiste, le gaz bitumeux du Canada vers les États-Unis, qui traverse les plaines du Dakota et qui va pourrir leurs terres. Et les Dakotas remercient le Crédit Agricole. On va remercier le Crédit Agricole depuis la COP21 d'avoir, avec les autres banques, comme la Société Générale, BNP Paribas, d'avoir augmenté de 50% leurs investissements dans les nouvelles centrales de charbon. Merci. Merci le Crédit Agricole. Grâce au Crédit Agricole, ça ira plus vite. Les banques françaises sont au top dans le monde. Donc il y a depuis quelques temps des gens qui portent une idée d'une autre banque qui serait au niveau européen, qui agirait au niveau européen, qui s'appellerait la Banque pour le Climat. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une alternative? On dit, va essayer de faire des relations. Vous avez eu le temps de tout exposer. Vous avez pu. Climat, justice